Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous présenter l'outil Task Manager. Task Manager est un logiciel développé par Eoxia permettant de gérer son temps et l'organisation de son travail à travers des to-do lists organisées. Task Manager est un logiciel open source, c'est-à-dire gratuit et compatible avec le CMS WordPress. Vous pouvez télécharger le logiciel directement sur votre site WordPress ou à partir de wordpress.org. Pour commencer, rendez-vous sur le back-office de votre site internet et une fois téléchargé, rendez-vous sur l'onglet Tâches. Vous accéderez ainsi à l'interface de Task Manager. Nous allons ensemble créer une nouvelle tâche. Donc pour commencer, cliquez sur l'onglet Nouvelle tâche. Ici, vous allez nommer cette tâche en fonction du thème de travail que vous allez effectuer, par exemple le travail de commercial. Vous allez ensuite inscrire votre premier point. Un point va correspondre à une action, par exemple relance téléphonique. Ajouter. Lorsque vous effectuerez des relances, vous pourrez en inscrire le détail dans la liste déroulante. Par exemple, que vous avez appelé Monsieur Dupont et cela vous a pris 20 minutes. Ajouter ensuite. Vous pourrez également, en cliquant sur ces trois points du haut, archiver la tâche, la supprimer, la recompiler, notifier votre équipe par mail du travail effectué, exporter ou importer du contenu. Vous pourrez également affilier une couleur à votre tâche, par exemple la couleur rouge. Vous pourrez également affilier la tâche à des personnes, c'est-à-dire à des utilisateurs déjà créés, ou à des catégories. On peut voir ici qu'aucune catégorie n'a été créée. Pour les créer, vous pouvez cliquer sur le lien ici, ou alors vous rendre sur l'onglet Tâches et cliquer sur Catégories. Ici, vous allez pouvoir créer de nouvelles catégories, par exemple la catégorie commerciale. Ajoutez votre catégorie. Celle-ci viendra s'ajouter sur la liste. Vous pourrez donc l'affilier. Voilà donc les principales fonctionnalités de l'outil Task Manager. J'espère que cette vidéo vous a été utile. À très bientôt !